Bonjour, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration vraiment très très particulière. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur Internet et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube chaque mercredi. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé. Quelques personnes m'ont demandé euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour faire de la peinture lorsqu'on ne voit pas euh, correctement les couleurs. Euh, par exemple, c'est le cas des, des Daltoniens qui perçoivent les couleurs différemment. Euh, ça peut être aussi le cas lorsqu'on peint sous une lumière qui est fortement euh, teintée, fortement colorée. C'est justement ce qui m'est arrivé une fois. Euh, je peignais euh, de nuit euh, dans ma voiture. C'était donc euh, à Montréal la nuit, c'était l'hiver. Il pleuvait, début de l'hiver, peut-être début janvier, il pleuvait, il neigeait, c'était un peu mêlé, il y avait de la neige au sol. En tout cas, j'étais dans la voiture et j'avais je... pris. J'avais apporté dans mes acryliques euh, un pot d'eau, euh, une petite palette, et une petite toile, et je peignais comme ça, je me posais la toile sur mon volant, je me suis débrouillé. Mes mélanges, ils étaient sur le, le fauteuil passager. Mais j'étais éclairé par la lumière de rue. Et c'est, vous savez, c'est ces lampes de rue qu'il y avait avant, maintenant elles sont surtout avec des, des LED, maintenant. Mais avant, c'était des, des lampes à base de gaz, et c'était soit très rose, soit très orangé. Il y avait beaucoup de coloration. Moi, je pense que c'était, si je me souviens c'était rosé, une lumière très rosée. Donc, je voyais ma palette avec cette teinte très colorée. De... Je voyais mes couleurs comme ça et je ne voyais pas vraiment les couleurs comme elles devaient être. Et je n'ai découvert mon tableau, euh, ces vraies couleurs, que lorsque je suis arrivé à la maison euh, avec l'éclairage de la maison habituelle, l'éclairage euh, quasiment lumière du jour. Donc, c'est vraiment euh, très spécifique. Donc, on peut se retrouver dans ces cas-là. Alors, soit on voit pas bien les couleurs, on les voit différemment, disons, euh, comme les daltoniens, ou bien peut-être, euh, je ne sais pas moi, qu'il existe peut-être euh, certains cas euh, dans lesquels on va voir les couleurs différemment. C'est un peu comme si on avait des lunettes de soleil colorées, en fait. Euh, bon, on ne voit pas bien les couleurs, mais on veut quand même peindre. C'est ça le problème qu'on m'a soulevé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a un moyen je vais faire devant vous aujourd'hui une démonstration euh, expérimentale que je n'ai jamais faite encore. C'est la première fois. Je vais mettre euh, le studio ici dans un éclairage bleu. Je vais mettre que de la lumière bleue. Puis je vais peindre une petite nature morte, euh, quelques fruits que j'ai mis ici, juste derrière moi, euh, une poire verte, un citron et une pomme. Comme ça, j'ai à peu près les trois couleurs différentes. Je vais essayer de peindre ça ici sous une lumière bleue et on va voir ce que ça va donner. Alors, selon moi, il y a quand même des critères importants, des critères qu'il faut connaître. Et je vais vous montrer tout ça. On va faire la démonstration. Je vais vous expliquer tout ça. Mais juste avant, je veux vous rappeler que vous pouvez, justement, on parle de la couleur, télécharger gratuitement six fiches guides en PDF pour vous aider dans le mélange des couleurs. C'est dans la description sous cette vidéo. Il y a un lien pour cliquer dessus. Puis vous pouvez obtenir ce guide. Et voilà. Donc là, je vais commencer tout de suite. Euh, à changer l'éclairage du studio et nous allons parler un petit peu de cette manière là comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour tenter de peindre de manière correcte sous une lumière très colorée. Alors nous voici donc sous une lumière bleue euh, c'est très spécial alors étant donné que c'est très peu éclairé j'ai dû régler mes caméras sur un, un temps d'exposition très court euh, très long pardon c'est un douzième de seconde, ce qui fait que lorsque je vais faire des gestes, des mouvements, lorsque je vais peindre sur la toile, vous allez voir que l'image va être un petit peu floue, saccadée, c'est tout à fait normal, mais au moins on est sous un éclairage bleu, alors j'ai mis des ampoules bleues, alors c'est pas de la lumière noire, c'est vraiment un bleu, et je m'aperçois qu'à l'écran de mes caméras, c'est différent de ce que je vois ici, c'est-à-dire que le jaune il sort très fluo, alors que moi, je ne le vois pas fluo du tout. Comme le bleu, il sort très pâle sur l'écran de ma caméra, tandis qu'ici, je le vois très foncé. Alors, ça se peut qu'il y ait une différence entre ce que vous voyez, vous, euh, et ce que je vois, moi. Alors, on est dans le bleu. Alors, j'ai mis un cercle chromatique ici. Je m'aperçois que je vois le jaune. Je vois le jaune qui devient verdâtre vers les rouges, alors que ça ne devrait pas. Hein, ça, vient, le, le, ça devient, on va dire, c'est kaki, là, le... Le, le, jaune, le rouge orangé est kaki. Et là, ça devient vert, vert, vert. Alors, le ça, c'est quoi ça Le bleu verdâtre et les gris neutre. Euh, c'est incroyable. Toutes les couleurs ont complètement changé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour peindre dans ces conditions-là Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Je vais garder le cercle chromatique à côté, mais je pense pas que je vais m'en servir. En vérité, voilà, il faut connaître ces couleurs. Il faut bien connaître ces couleurs. Bon, là, j'ai mis mon blanc de titane. J'ai du jaune primaire, j'ai du cramoisi d'alizarine, j'ai du bleu phtalo et j'ai de la terre d'ombre brûlée. Avec une palette limitée dont je connais bien les couleurs, je connais leur force. Il faut connaître leur force, leur puissance. Ça c'est impératif. Utiliser une palette très limitée, euh, très très bien connaître les couleurs et surtout leur force de coloration, leur puissance. Bien connaître aussi le mélange des couleurs. T'sais, on sait que jaune et rouge ça fait orange. Bon. Euh, bleu et jaune ça fait vert ça on le sait mais il faut savoir combien de rouge et combien de jaune et c'est là qu'il faut connaître la force de nos couleurs euh, ensuite de ça euh, il faut comprendre aussi l'influence de la lumière de la couleur de la lumière euh, sur la, les couleurs la couleur ambiante c'est euh, on sait que c'est du bleu donc si je fais un mélange que je le trouve trop bleu ben c'est normal hein. c'est ça qu'il va falloir euh, comprendre et maîtriser et surtout, alors là, la base, c'est la base, réaliser le mélange des couleurs avec nos connaissances. Avec ce qu'on connaît uniquement et non pas avec ce qu'on voit. Donc, on oublie ce qu'on voit. Je sais que jaune et rouge, ça fait orange. Beaucoup de jaune, un tout petit peu de rouge et un orange. Si je veux un rouge orangé, je mets un petit peu plus de rouge. Si je veux que mon orange soit très jaune, je mets très très peu de rouge dans du jaune. Ça, c'est des choses à connaître. Bien sûr, vous le connaissez, vous le savez. Et il va falloir donc faire nos mélanges de couleurs en se basant sur nos connaissances, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de faire cette petite nature morte, une poire couchée verte, un citron et une pomme rouge. Alors je sais qu'elle est rouge, mais je la vois plus rouge du tout. Hein je vois bien le jaune et le vert, par contre, mais ce ne sont pas les bons jaunes et pas les bons verts. C'est bon Allez, on y va. On va s'amuser. Ici, j'ai de l'eau, j'ai mes couleurs, et puis voilà, on, on va jouer avec ça. Je vais commencer par tiens, allez, la pomme du fond, la pomme derrière, euh, la poire, pardon, qui est verdâtre. Alors, je prends mon jaune. C'est vert, donc je sais que je dois mettre du bleu phtalo. Mais attention, je sais qu'il est très fort, mon bleu phtalo. Je n'en mets pas trop. Voilà, je sais que quand je mets mon bleu phtalo dans mon jaune, c'est toujours trop vert. Ce vert n'est pas naturel. Je suis obligé de rajouter un petit peu de rouge, de cramoisier, d'alizarine. Je vais en mettre un petit peu qui devrait... <laughs> Le rouge, je le vois bleu, c'est fou. Hein. Et ça devrait, ça devrait normalement maîtriser, neutraliser mon, mon vert. Ça devrait. C'est-à-dire que ce vert que j'ai là, il devrait être beaucoup moins vert que ce que j'ai fait dès que j'ai mis le bleu dans le jaune. Je vais aller dessiner. J'ai oublié de faire mon dessin. C'est pas grave. Je vais aller comme ça rapidement. Je vais aller à peu près là. Le but, c'est vraiment de, de s'amuser à faire cette expérience. Et puis, on va voir. Hein, en... Voilà, et bien sûr, je ne pourrai jamais faire une belle poire si je la laisse comme ça, si je ne fais pas des ombres et des lumières. Alors je prends un petit peu de rouge, avec plus de bleu qui me restait ici. Mais comme mon pinceau était sale de vert, ça, je suppose ça devrait faire un vert foncé. Voilà, un petit peu plus foncé par ici. Déjà quelques ombres et lumières. Pas mal foncé ici derrière. Je forme un petit peu tout ça. J'essuie mon pinceau sur mon chiffon. Je reprends mon verre de base pour venir faire des petits dégradés ici. le pinceau et je mets de la lumière bon la lumière ça devrait être du jaune avec un petit peu de blanc et mon vert très peu du vert voilà et là je devrais pouvoir éclairer un petit peu plus par ici Et là, qu'est-ce qu'on se dit dans ce temps-là On se dit, ben, on verra bien. Hein voilà, on va dire que, à part quelques brillances, la poire est faite. Je vais me faire du noir. Le noir, c'est de la terre d'ombre brûlée, qui est ici, je le sais. Avec un peu de bleu phtalo. Mais le bleu phtalo, lui, il va rendre mon noir verdâtre. Donc, je vais être obligé de rajouter du rouge. Un peu plus de bleu. J'y vais par connaissance. Là, je ne vois absolument rien un peu de rouge voilà pour casser le côté verdâtre du noir je prends mon petit pinceau là je vais faire la petite queue de la poire c'est bon je nettoie le pinceau alors pendant que ça sèche pour faire le citron dessus je vais faire la pomme à côté la pomme rouge Alors, euh... Alors, le problème c'est que le... mon modèle aussi, mon sujet, je le vois dans d'autres couleurs hein. complètement. Alors, je vais prendre mon cramoisie de Lizarine, qui est un rouge très foncé. Je vais le mettre ici. Après, il faut se rappeler aussi où on met les couleurs. Hein. Je vais mettre un petit peu de jaune légèrement, bah, un petit peu, voilà, pour le rendre un peu plus orangé. Une toute petite touche de blanc pour le pâlir un peu. Et mon Dieu, je vois du gris là, juste du gris. Voilà. Ça, ça devrait être un rouge qui devrait aller pour la po pour la, la pomme rouge. Je mettre un petit peu d'eau, ça va m'aider pour la dessiner. Bon, D'où je suis, je la vois un petit peu plus bas ici. Un petit peu, c'est trop bas, ça c'est pas grave. On la fait plus bas, ça allez. Ça, je, vais refaire, je vais faire un petit fond après, ok Alors, je suis vraiment très très handicapé. Là, je, je suis vraiment pas habitué à, à avoir des couleurs comme ça. Tu vois, ça, c'est violet, un violet très foncé, très 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 foncé. Je vais mettre un peu plus pâle, un peu plus de jaune et de blanc. C'est surprenant. Hein je vous dirais, je ne fais pas ça tous les jours. Et j'ai bien hâte de voir le résultat. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Du moins, oui, j'ai une petite idée de, en espérant que mes mélanges soient, sont bons là. Voilà ce que je me dis, je me dis, René, si tu fais bien tes mélanges, ça devrait aller. Euh, la pomme en rouge, je ne sais pas si son cœur en haut il est un peu verdâtre ou non. Je vais mettre plus de jaune là. Donc plus pâle, plus jaune. Un peu là aussi. Et la lumière vient de droite, même si elle est bleue. Alors, plus tard, quand je remettrai les lumières normales du studio, la lumière viendra plus de droite. C'est sûr, c'est des, des éclairages diffus un petit peu partout de mes, de mes projecteurs pour la vidéo spécifiquement. Mais si j'avais fait un éclairage spécifique, nature morte, j'aurais mis un bel éclairage plus, plus fort, on va dire, sur le côté. Ok, c'est bon. Pendant ce temps-là, ça a séché. On va pouvoir faire le citron. Je vais quand même aller plus foncé à gauche. Ah euh, oui, à gauche. Plus foncé ici. Même j'avais fait du noir. Tiens, je vais prendre un petit peu de noir. Euh, voilà, je mettrai un petit peu de noir dans ma couleur ici. Dans le bas ici. on nettoie le pinceau, euh, je vais placer le citron, Alors, le citron je vais aller avec un jaune pur à la base pour commencer, ou peut-être le jaune légèrement, très légèrement le teinté de rouge, très très peu, c'est peut-être trop, soit un jaune un petit peu orangé c'est pas une lime, voilà. J'ai pas fini ma poire suffisamment loin ici, c'est pas grave, je vais la, la reprendre. Ok, alors là j'ai de l'ombre à gauche. Alors l'ombre du citron, si je prends du noir, c'est bien, mais ça va faire trop verdâtre, il faut rajouter un petit peu de rouge aussi. Ça je le sais, parce que noir et jaune, ça fait vert. Donc il faut mettre du rouge, on n'a pas le choix, on met du rouge. Voilà, pas trop, j'essuie mon pinceau. On va prendre du jaune. Un petit peu rougeâtre pour faire mon dégradé ici. un peu de plus foncé comme ça par ici en pointu le jaune qui est ici qui était légèrement légèrement rougeâtre ici je vais rajouter un petit peu de blanc légèrement pour le pâlir pour le côté droit vers la lumière par là J'ai su le pinceau, je vais compléter ma poire. Alors ma poire, c'était cette couleur, hein, on se rappelle, c'était vraiment du vert. Voilà. On redécoupe le citron avec du foncé. Ça devrait, ça devrait aller. Hein. On dit toujours ça devrait parce que là, on ne sait pas. Euh... Le petit pinceau, je vais prendre de le noir, je vais faire la queue de la pomme. Bien que non, on va le faire après, on va faire un fond d'abord, un petit fond rapidement, hein, avec des ombrages aussi. Je vais faire du gris. Ha Alors, on voilà, a du blanc, un gris très pâle, dans lequel je mets un petit peu de noir. Je ne mélange pas trop les couleurs, je vais travailler en, en modulation. Oh, c'est trop foncé. Ça serait bon pour des ombres. Tiens, on va y aller, ok. On va commencer par mettre les ombres là-bas à gauche. Voilà, les ombres, on peut les foncer un petit peu plus par ici. Des ombres diffuses. Ah, oh, j'ai mangé un peu mon citron. C'est pas grave, on va l'arranger. Un peu d'ombre ici, sous la pomme. Oui, j'aurais pu faire la queue après. Je mets le pinceau. Parce que je vais prendre du plus pâle, beaucoup, beaucoup plus pâle. Là, vous dites, oui, mais euh, OK, je vais reprendre le citron, mais comment je fais pour avoir la même couleur exactement C'est vrai qu'il faut penser à ça. Alors, si on a fait une première fois par, comme ça, par expérience, avec ces, ces connaissances-là, et on devrait y arriver une deuxième fois à faire à peu près la même couleur, et puis après ça, ben, on espère que ça fonctionne. un peu de flou par là-bas. Mettre un petit peu d'eau dans ma teinte, dans ma couleur, ça va être plus facile pour couvrir cette toile qui est très texturée. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ont hâte de voir le résultat, qui vont aller euh, sauter une étape de peinture, aller plus loin dans la vidéo. Alors moi, c'est ce que je ferai. J'irai je, voir ce que ça donne après. Hein? Puis après, je reviendrai en arrière pour voir finalement comment ça s'est passé au niveau de la création, tout en sachant ce que ça donne à la fin. Ça peut être intéressant aussi de le voir dans ce sens-là. Bon, Je n'irai pas plus haut, là c'est bon, ce n'est pas la peine de, de faire la toile au complet, on la coupera s'il faut. Juste ici, voilà, c'est bon. Mettez le pinceau. Bon, au niveau des valeurs, le papier est en blanc, le fond blanc, tout ça, ça les ombres, les, ça m'a l'air assez bien, ça m'a l'air assez bien quand même. Une petite retouche ici de vert. Euh, le citron, alors c'était du noir, j'en ai plus ici. Il me reste un petit peu là de foncé. C'est d'arranger les ombres. Euh, la lumière du citron, ici. Je vais prendre du blanc. Très peu teinté de jaune, très très peu. Faire une petite brillance ici. Une autre ici. Un petit peu de blanc, très peu teinté de vert, pour une ou de brillance ici aussi. En fait, ce que je vois là, ce sont les, les projecteurs bleus, là, les lumières bleues. si c'est un peu trop, on peut revenir avec du vert. Atténuer ces tâches. Pour rendre un peu plus flou. La pomme aussi. Alors, la pomme, je vais aller avec du blanc. Très peu teinté du, du sensément rouge qui est ici, que je vois gris. un peu de flou. Je pourrais prendre un petit peu de rosé, légèrement très rosé, là, très très peu. Quelques petites touches ici, un petit reflet, tu sais, sur la table. Qu pas qu'elle soit complètement uniformément grise ou, tu sais, un petit peu de teinte aussi, là, tu sais. Le citron, ça, fait... ça peut être intéressant. Ah, ben, c'était du jaune. J'ai mis du vert à la place du jaune, c'est ce pas grave du tout, du tout. Il aussi un petit peu de reflet de poire dans l'ombre. Je suppose que j'ai mis des petites touches de couleur qui font des reflets sur la table. Maintenant, on va faire la queue de la pomme et puis on a terminé pour cette expérience. J'ai plus de noir. Je vais prendre de la terre d'homme brûlée, du bleu et un petit peu de rouge. Les quantités devraient faire un noir ici, là, assez neutre. Avec un petit ombrage là-bas. La couleur pomme est ici. Oui, c'est ça. Et j'avais mis du, du jaune-vert ici, je pense. Hein. Un petit peu de jaune pâle. Et du blanc, qui euh, est un petit peu, très peu verdâtre là. Pour la queue ici, pour la lumière sur la queue de la pomme. Ça fonctionne pas. Je n'ai pas assez sur mon pinceau. C'était trop sec. Je vais mettre un tout petit peu de noir à nouveau. j'avais avait disparu ici. Voilà. Euh Qu'est-ce que ça donne Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. J'ai aucune idée. Je vais remettre la lumière, puis on va découvrir euh, ce que ça donne de peindre donc sous une lumière très très teintée, avec simplement la connaissance de, de nos couleurs sur la palette. Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que n'ai pas bien fait ça On va le savoir tout de suite. Et voilà la surprise. Donc, <laughs> finalement, c'est pas si mal. Alors, c'est très très surprenant. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Bon, alors c'est sûr que je trouve que... bon, La poire, elle est pas mal. C'est pas trop mal. Euh, au niveau euh, du citron, c'est peut-être un peu trop foncé. Euh... Oui, c'est trop foncé ici. Euh, la pomme rouge, je la croyais plus orangée que ça. Je la voyais plus jaune que ça, vous voyez. Alors, euh, si je viens sur la palette, euh, mon verre m'a surpris. Je, je pensais que mon verre était était moins vert que ça, qui était plus brun. Donc j'ai pas mis assez de rouge à mon goût. Euh, pour le citron, ça va, euh, les jaunes sont bien, mais c'est au niveau du, euh, de l'ombre. Quand j'ai mis le noir dans le jaune, il est devenu vraiment trop vert. Il aurait fallu que je mette plus de rouge. Et euh, le gris, vous voyez, il est très verdâtre, très verdâtre. Donc j'ai pas mis assez de rouge par rapport à ce que je pensais. Et le rouge à pomme, il est passé orangé par rapport à ce que je pensais. J'ai pas mis assez de jaune. Alors ce qui fait que le bleu il a été très dominant. Je savais que mon bluff talo, il était fort, il était puissant, mais je l'ai sous-estimé quand même. Je l'ai sous-estimé parce qu'il a rendu mon noir trop vert. Il a rendu, même si j'ai mis du rouge, donc j'ai pas mis assez de rouge, euh, il a rendu mon vert trop vert et mon rouge trop rouge. Euh, non, pardon, le bleu, non. le rouge là par contre, c'est ça il manquait du jaune. Mais c'est surtout le bleu qui était très, très intense. Euh, voilà, mais c'est quand même bon. Euh, j'ai été vous voyez, comme j'ai dit, j'ai mis un petit peu de rouge, de jaune ici, là, des quelques reflets légèrement. Et mon gris, alors il est bleu, hein, je ne pensais pas avoir fait du bleu, voilà, mon gris est très bleuté. Parce que le bleu phtalo est plus fort, plus intense que je, je ne soupçonnais. Mais quand même, ça vous prouve que si on utilise la, la connaissance, le savoir euh, de nos couleurs, euh, vraiment, si on les connaît bien, on va être capable de faire quelque chose de bien. Alors voilà, je suis très très content d'avoir pu partager cette expérience avec vous, euh, de découvrir tout ça ensemble. C'est, je trouve que c'est bien, c'est, euh, c'est un petit peu spectaculaire, mais très surprenant. Voilà, c'est très surprenant et j'ai beaucoup aimé ça. Alors comme je vous ai dit, c'est la première fois que je faisais ça. Euh, je recommencerai pas euh, volontairement de me mettre sous une lumière euh, bleue comme ça pour faire de la peinture, mais comme je vous ai dit, ça pourrait très bien arriver, euh, pour une raison ou une autre, qu'on soit à l'extérieur, dehors, et que la lumière ambiante soit très colorée. Alors sûrement pas autant colorée que ce que c'était là, il y a toujours euh, des sources de lumière peut-être un peu différentes qui vont compenser un petit peu, mais quand même, la dominante colorée peut vraiment gêner euh, la, la façon de faire de la peinture. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris quelque chose, que ça va vous aider. Euh, dans la réalisation de vos tableaux, de vos peintures, surtout si vous avez euh, soit du daltonisme ou euh, que vous trouvez que la lumière ambiante n'a pas de couleur euh, neutre. Ça pourrait arriver si vous peignez dehors sous un grand coucher de soleil aussi, hein. sous une lumière très colorée du matin ou du soir, ça peut arriver aussi, ça peut faire un petit peu la même chose. Et après, lorsqu'on arrive avec notre tableau en lumière ambiante naturelle, lumière du jour, ça fait des différences sur le résultat. Alors, euh, donc, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Alors, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre les pouces en haut, le like, de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi que vous avez un cadeau dans la description. Vous pouvez télécharger les six fiches guides pour euh, les mélanges de couleurs. C'est gratuit, c'est dans la description, sous la vidéo. Encore une fois, merci, merci de nous suivre, merci d'être toujours là avec nous. Et euh, je vous dis à très bientôt, donc euh, pour une autre vidéo. Bye bye.